Hop. Coucher fantôme. Ah, et à chaque fois que j'en tue un, il y en a un qui repop. Hop. Voilà, allez. Et t'es fini, ça sert à rien. Non mais arrête de te battre. Quelle horreur, quelle... franchement. Très bien, alors ensuite. Je reviens ici et je regarde ma carte. À droite là y'a rien. Tout au bout normalement y'a rien. Et ici, cercle du feu. Oh, je chute. Donc ici c'est un cul-de-sac. On va revenir en arrière. On va aller éliminer le premier cul-de-sac. Ah, crypte. Ok, bien un truc de chaque côté. Là c'est du reste, on s'en moque. Espérons trouver peut-être une... des Brooks dans le coin. Ce serait bien. Allez, tombe. Hop. On dépouille le cadavre. Donc c'est ici. Et là, il est censé y avoir un couloir. Donc là, normalement, je dois faire Kamehameha, ouverture. Ok, 1, 2... Que 2. 3, bien évidemment. Et 4. Et 5. Allez, YOLO. Venez tous. Hop. Et il a quand même réussi à me sonner. Atos. S'il y a rien. Oh non. Hein. J'en ai tué combien là jusqu'à présent? Viens, je te dis. Pire, c'est des ennemis, mais ils viennent même pas se battre. Je pense que c'est le pire truc, quoi. Ah, là, il y a des trucs. Voilà. Il y a du monde. Venez ici. Mais au moins, eux, ils se battent. Ah, ça, c'était un beau combat. Enfin. Une seule? Allez. Ah bah non, sinon c'est pas drôle.
2, voilà. Merci, alors. Est-ce que vous me permettez de ramasser ce que je trouve? Zef. Ce qu'il y a dans les coffres, un peu nul. Ce qu'il y a dans le sarcophage, pièce d'armure. Glaive météorique, on s'en fout, hein. Non, mais... Ça, c'est quoi? Glaive de sorceleur. Lâcher l'objet. Ouais, la glaive de sorceleur, c'est mieux. Et ensuite... C'est fait. Tout ça, c'est fait. Il me reste donc à aller visiter la zone de gauche. Et bah, j'en ai fait du chemin. Et j'ai trouvé des pièces d'armure. Donc c'est une bonne nouvelle. Hop, brûle. Waouh. Bien. S'il te plaît. Non, pas envie. Pas envie de vous battre. Allez, venez, venez, venez. Ah, c'est deux ou deux? Très bien. Efficace. Très efficace. Ça normalement c'est de la moisissure. Je peux pas la prendre. Oh, de l'ectoplasme. Alors, ensuite. Mais non, oh là. Pas envie de te battre non plus, je suppose. Alors, juste pour... Ah, c'est quoi ça? Basilic. Ok. On en a déjà affronté tout plein, hein, c'est bon. Hop. Peau de basilic, ok. Et dis-moi qu'il y a un truc intéressant. Livre du tonnerre. Déjà lu. Reste de l'armure. Et ici c'est fini. Ça ne s'ouvre pas. Donc on a visité l'ensemble de la crypte. Bah yolo. Alors on repart. On a 3 pièces d'armure. Je sais pas combien il en fallait, mais on en a 3 maintenant. Ah non, non, je m'en fous. M'en fous totalement. Je viens de sortir un peu de respect. Alors, je suis ici.
Ouais, non, je vous ignore pour le moment. Ça, c'est une route. Ok, je suis en combat apparemment. Allez, viens. C'est bon? Fini? Non. C'est bon là maintenant. Je ne suis plus en combat. Route du vieux château. Ok. Pour le moment, on va pas chercher à aller voir c'est quoi le vieux château. On continue notre visite. Merci, au revoir. Venez. Venez un peu en terrain découvert. Merci. Donc c'est ça le repère de la Strige. On va pas s'en occuper. Toujours de la carte. Oh, il y en a tout plein. Ok. Marais, oui, mais on va trouver que des marais, je pense, dans les marais. Okay. Je vais quand même aller explorer ce petit coin. Je me fais attaquer par je sais pas quoi. Oh, un noyeur. C'est bon? Au revoir. Non, franchement, c'est la pire zone que j'ai du jeu, j'ai l'impression. Ça aurait pu démarrer sympa, mais on voit rien. Alors oui, hein, ça ajoute de l'atmosphère, hein, mais pour se déplacer, tu vois pas les rochers, tu vois pas les arbres, tu vois pas les mobs. Je pense que niveau design, level design, c'est la moins bien réussie jusqu'à présent. Surprise, nouvelle région, Marais. C'est bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du bidon, j'en ai encore? Non, j'en ai plus.
Ouais, non, mais c'est bon, les noyeurs. On les esquive. C'est pas des... Ils se rapportent même pas d'XP, donc... Est-ce que ça vaut la peine de les battre? Pour moi, ça serait non. Après, je suis prêt à écouter les avis, mais quand on les a tués 50 fois, c'est bon. Splooch, au revoir. Est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que j'ai à manger? Tiens, je vais manger une poire. Y a-t-il au fond de ce coin perdu? Oh, rien. Allez. Au revoir. Oh non, 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 c'est bon. J'en ai assez tué. Allez, venez. Alors, est-ce qu'on peut faire un rituel de vie? C'est site d'énergie, grotte des druides, on va commencer par ça. C'est bon? Je peux aller faire coucou aux druides? Voilà, bonjour les dos. Bonjour chasseur du roi, déjà. Que faites-vous? La révolte gronde à Vizima. Les gens s'entretuent. Ça ne me concerne pas. Les druides recueillent les innocents. Je les aide et les protège. Ok. Protéger les réfugiés? Protéger les réfugiés? Oui. Aime ton voisin. Vous vénérez le feu éternel? Pas vraiment. Mais quelques bonnes actions ne peuvent pas faire de mal. Est-ce que je peux aider? Je peux vous aider. On raconte que des monstres sanguinaires nichent près de la crypte, dans les marais. Et quoi d'autre? On parle d'une créature qui ressemble à une chauve-souris et d'un vampire feu. Que pouvez-vous dire d'autre? Demandez-moi. Adieu. Très bien. Vieux druide. Bonjour, voyageur. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Nous préparons notre manifestation contre les abattages massifs et l'extermination d'espèces en danger. Donc c'est des écolos. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Après le soulèvement, nous conduirons notre marche verte jusqu'au pied du château royal. Ok. Nous manifesterons jusqu'à ce que le roi nous entende. Nous d'accord. Avons préparé des chants comme « Eh oh, l'abattage, sans des trous !» ou « Non à l'extermination des animaux !» Je vous suggère de repousser votre manifestation à beaucoup plus tard. La nature appelle à l'aide. Ouais. Alors, est-ce que t'as des marchandises? Vous avez des marchandises. Avez-vous la petite... Voici des vêtements de femme. Voici des... Je dois vérifier que... Voici un châle rouge. Voici un châle rouge. Excellent. Est-ce que j'ai un châle rouge? Ah non, j'ai plus de châle rouge. J'ai rien. J'ai pas de pierre précieuse, j'ai pas ce qu'il voulait d'autre. Bon. Vous avez. De la petite ciguë, ça j'en ai, je pense. Petite ciguë, c'est ça, non? Non, ça c'est chèvrefeuille. Ça c'est chèvrefeuille, j'ai plus de petite ciguë alors.
Comment cela ? Alors, est-ce que... Des roses blanches, j'en ai pas non plus. Adieu. Alors, cousin, hein ? Druide patriarche. Ah oui. C'est vrai. Nous... Je voulais rappeler... Voici 10 mesures. Vous êtes homme de parole. Yes, une mission de moins. Et un niveau supplémentaire. Attends. Oui, tu peux te lever si tu veux. Je ne vois pas de quoi. Antoinette est à la cour du... Tout ça pue l'intrigue politique. Oh, et je ne reverrai jamais ma belle région de Toussaint. Vieux druide. Bon. Vous êtes... Non, on va directement marchander. Moi, je veux te... Enfin, je veux pas t'acheter ici, je veux te vendre. Deux champagnes. Tout ce qui est bière et vin, j'en ai plus besoin. Au pire, j'en rachèterai si j'en ai besoin un jour. Ça, je vais pas les consommer. Et c'est très bien, voilà. C'est tout ? Ah non, il y a l'air d'avoir un peu d'exploit à faire là-bas. Ouais, ok. Ok, là, c'est tout. Ok, très bien. Et bon, on va repartir. On va aller sur la grotte suivante. On va aller voir d'autres habitants. Deux secondes. Hop. Ancienne mine, grotte des réfugiés, vieux château. La grotte des réfugiés. Non mais je me moque. Je vous ignore et je vous tue tous à l'arrivée. Non, ça doit être ici. Hop. C'est bon, je peux rentrer dans la grotte. Merci. J'aime bien faire du nettoyage. Mais... Ok, des champignons, on s'en moque. Là, il y a l'air d'y avoir une grande grotte. Notre camp. Ah tiens, on a un cousin, quelqu'un. Votre messager n'est pas venu ? Il ne viendra pas si vous restez dans les paras. Ici, il y a quoi ? Il n'y a rien, apparemment. Si, il y a des tonneaux. Ok. C'est le fond de la grotte. Et ça, c'est le fond de la grotte. Et par ici, c'est aussi fermé. Ah oui, c'est du mur. Bon bah elle est pas très intéressante cette grotte. Mais moi, la découverte. Enfin, elle est pas intéressante pour le moment, mais je suppose qu'à un moment elle deviendra intéressante, qu'il faudra revenir parce qu'il y aura plein de monde ici. Ici, grotte des réfugiés. Et après j'irai vers l'ancienne mine. Oh, des petites grenouilles. Ça sert absolument à rien, mais c'est mignon. Oh mince. Un gros caillou qui nous empêche de passer. Il y a au moins 5 mètres entre les deux là. Ouf. Ouf, 5 mètres. Trop court. Franchement, trop juste.
On doit pas être très loin. Ça doit être celle-ci. Oh, c'est aussi du chef. Ok, très bien, chèvrefeuille. C'est bon là. Non. Maintenant c'est bon. Je peux rentrer dans la grotte? Bien sûr que non. Allez. Parfait. On va commencer par là où il y a de la lumière. Réfugié. Auriez-vous rencontré quelqu'un qui pourrait être... Non. Si vous voyez ce messager, je n'y manquerai pas. Ok. Ils ont brûlé ma maison et détruit tous mes biens. Qu'est-ce que je vais devenir ? Où était le roi quand tout a commencé ? Loin. Hop, très bien. Ils sont tous à la recherche de la messagère d'Antoinette, mais à part ça... Enfin, du messager d'Antoinette. Ici, c'est quoi ? Pierre du voyageur. Est-ce qu'on est... Je sais pas. Tiens. Je vais te parler à toi. Gérald de Rive, sorceleur. Et depuis quelque temps, pugiliste de okay. grand renom. Ta barbe, elle est bizarre. Pas de nom. Pour l'instant... Appelez-moi Zdenek. Vous n'avez pas l'air d'un boxeur célèbre. Oh, c'est lui, d'accord. Si vous le dites, vous comptez me défier ? Effectivement. Prêt ? Non. Non. D'abord, sauvegarde. Au cas où. Et c'est tout, hein. Il y a cette pierre et il y a lui. On va l'affronter. On va finir cette mission. Question. Mais... Oui. Ah. Pourquoi je peux pas le taper ? Hop, mais... What ?